Vous êtes sur RTL. RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 15 janvier. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord Peugeot qui détrône Renault. C'est l'info écho de cette matinée. Pour la toute première fois de son histoire, la marque au Lyon devient numéro 1 en France. Une grande fierté pour son directeur Jean-Philippe Imperato. Peugeot devient leader de la vente à particulier sur la France. Ça ne lui était jamais arrivé dans toute son histoire. Donc c'est assez symbolique pour nous que d'arriver à ce résultat-là sur notre marché national. J'ai remis la semaine dernière les clés de la millionième 2008 qui a été produite par l'usine de Mulhouse. Et c'est quand même un sentiment de fierté important pour nous. Ça illustre le fait qu'on peut produire français et faire de très bons résultats commerciaux. Jean-Philippe Imperato, le directeur de Peugeot au micro RTL de Christophe Bourreau. Peugeot qui enregistre également de bons résultat à l'échelle mondiale avec 1 465 000 véhicules vendus en 2018. La marque fait mieux qu'en 2017, année déjà record. Et dans l'actualité également, le coup d'envoi du grand débat. Emmanuel Macron se rend à Grand-Bourg-Thérault, d'une petite commune de 3800 habitants dans l'Eure. Il doit y rencontrer 600 maires de la région, 2 heures de discussion et d'échange. Mais a priori, rien avec les gilets jaunes. Pascal occupe l'un des ronds-points les plus emblématiques du mouvement, celui des vaches à Oissel, près de Rouen. Ça fait des semaines qu'on est insulté, maltraité, en tout cas par ces forces de police, par les paroles des uns des autres, de ces ministres, de lui-même. Les foules haineuses, on n'a pas oublié. Je vois mal comment, d'un côté, on peut exécrer autant les gilets jaunes et d'un autre côté, ouvrir une discussion franche et courtoise avec eux. J'y crois pas. J'y crois pas, dit ce gilet jaune normand, des propos recueillis pour RTL par Sinamir. Bonjour Vincent Derosier. Bonjour. Concrètement, comment ça va se passer ce grand débat national ? 2 mois de débat et rien n'a été facile. Tout a été fait dans la précipitation, confie un ministre, à tel point qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui les 5 garants qui remplacent Chantal Jouanneau et qui sont censés veiller au bon déroulement des débats. Ils seront nommés vendredi. Les formations politiques, elles, représentées à l'Assemblée ou au Sénat, pourront, si elles le souhaitent, participer à un comité de suivi. Voilà pour le cadre. Tout le monde peut participer, bien sûr, citoyens, élus, associations. Si vous le souhaitez, vous pouvez même organiser un débat en famille ou avec des amis dans votre salon. Sinon, il y a les réunions locales que vous trouverez sur le site internet granddebat.fr. Un numéro vert, le 0800 97 11 11 est à votre disposition. À partir du 21 janvier, vous pourrez donner votre avis sur internet ou par courrier adressé à la mission Grand Débat. Et puis dans un deuxième temps, à partir du 1er mars, des Français seront tirés au sort pour réfléchir aux solutions concrètes à apporter. Et la tâche devrait sérieusement se compliquer pour le gouvernement. Vincent Derosier du service politique de RTL. De ce grand débat, on reparle bien sûr à 7h45 avec François Bayrou qui est ce matin l'invité d'Elisabeth Martichoux. Il vient d'arriver dans nos locaux. À Bordeaux, la police des polices saisie après la diffusion d'images montrant un gilet jaune blessé à la tête. C'était samedi après des tirs policiers. L'homme, un pompier volontaire de 47 ans, a été opéré et placé en coma artificiel. Au total, depuis le début du mouvement, les forces de l'ordre ont fait l'objet de 70 dépôts de plaintes. C'est ce qu'a indiqué hier Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur. Il y a un certain nombre de plaintes qui sont traitées, qui sont dirigées contre l'action de la police ou de la gendarmerie et qui détermineront s'il y a des responsabilités ou pas. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'à ce stade, la réponse des forces de l'ordre, elle est tout à fait proportionnée. Quand vous avez des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie qui sont pris à partie extrêmement violemment avec l'intention de les tuer, c'est très compliqué pour eux de riposter. Et ils le font avec beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid, beaucoup de détermination et de manière extrêmement proportionnée. Laurent Nunez au micro RTL de Christian Ponvert. RTL 7h34. Aux États-Unis, une partie de l'administration est toujours paralysée. Oui, c'est le fameux shutdown, bientôt 25 jours que cela dure et faute de personnel, eh bien c'était soirée pizza hamburger hier soir à la Maison Blanche. We have pizzas, we have 300 hamburgers, many many french fries. Et Donald Trump recevait les joueurs d'une équipe de foot, le président américain que vous venez d'entendre détailler le menu, en a une nouvelle fois profité pour critiquer l'attitude des démocrates qui refusent toujours de débloquer les fonds pour construire son mur avec le Mexique. Les députés britanniques, eux, se prononcent ce soir sur le projet d'accord conclu avec l'Union européenne sur le Brexit. Theresa May, la première ministre, joue gros, puisque ce vote a déjà été repoussé. Et elle a mis en garde hier les parlementaires.
Sans accord, pas de période de transition, aucun partenariat pour continuer à assurer notre sécurité, aucune assurance pour les Britanniques vivant en Europe et aucune certitude pour les entreprises au Royaume-Uni. La mise en garde de Theresa May devant le Parlement britannique hier soir, propos recueillis pour RTL par Marie Billon. Et puis eux aussi jouent gros ce soir. Oui, les handballeurs français affrontent l'Allemagne. C'est le premier vrai test pour eux dans ces championnats du monde. Après 3 victoires en 3 matchs hier, il faut bien le reconnaître, les Bleus se sont fait un peu peur face à la Corée, malmenée pendant 40 minutes. Il s'impose finalement 34-23. Écoutez, Valentin Porte, c'est l'un des ailiers de cette équipe de France. Jouer comme ça, ça me plaît pas trop, être à plus 1 à la mi-temps de la Corée. Heureusement, c'est repris, mais voilà, c'est quand même un mal récurrent depuis 3 matchs, de mal commencer les matchs et de pas réussir à faire l'écart. Donc on a de la chance de tomber sur des équipes peut-être un peu moins fortes et sur la rotation, on est meilleur et on fait l'écart en deuxième. Mais moi, je pense à demain, si on démarre comme on est là, avec cette salle-là et cette équipe allemande qui est quand même costaud, ça peut être compliqué à la fin. Valentin Porte chez nos confrères de beIN Sport avant ce France-Allemagne, donc ce soir à 20h30. L'Allemagne qui a fait match nul, sachez-le, hier soir face à la Russie, 22-22.